Moi, je veux relancer l'économie. Et vous pouvez demander à monsieur. Je suis convaincu de ça. Bonjour. Bonjour, monsieur. En matière de pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'il faudrait que les politiques, le prochain président de la République, fassent pour vous redonner à vous du pouvoir d'achat? Être honnête et sincère, en fait. Je crois que c'est ça qu'on aimerait voir aujourd'hui. L'honnêteté, de la sincérité, honnêtement. Seul truc qui peut rassembler les Français. Okay. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai 25 ans, j'arrive plus à croire en la politique. D'accord. Et là, vous savez pour qui vous allez voter ou pas du tout? Ah oui, si, je sais. D'accord. Vous pouvez nous le dire? Bien sûr. D'accord. Je vais voter pour Asselineau. D'accord. Asselineau, le seul qui me propose des choses qui me parlent à moi en tant que 25 ans, sortir de l'OTAN, sortir de l'Europe. Au revoir, merci. On continue cette déambulation ici dans un marché de la capitale. Il y a une autre mesure qui m'a surprise. Vous voulez, pour éviter les découverts à la fin du mois, faire payer les salaires tous les 15 jours. Vous